Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se revoit pour une autre vidéo routine d'une journée productive dans ma vie. J'aime vraiment vous faire ces vidéos-là et j'avais eu l'idée de commencer parce qu'il y a des journées où j'ai tellement de choses à faire que j'ai même pas le temps de filmer une vidéo et je m'étais dit pourquoi pas tout simplement filmer une partie des choses que j'ai à faire qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc ça commence toujours de la même façon, je dois faire un ménage chez moi. Parce que vu que je travaille à la maison, je trouve que je fonctionne beaucoup mieux si mon environnement est rangé. Donc j'ai commencé par ranger ma chambre. Ensuite, j'avais une brassée de lavage qui sortait de la sécheuse. Donc j'ai rangé les vêtements, les serviettes, etc. Après, je suis passée à la cuisine. Comme je vous avais déjà mentionné, j'aime ça y aller pièce par pièce pour faire le ménage parce que je trouve que c'est plus motivant comme ça. Donc j'ai rangé la vaisselle sale dans mon lave-vaisselle, j'ai lavé mon évier et ce qu'il y avait à l'intérieur. Ouvrir des colis, ça fait vraiment partie de mon travail et de mon quotidien. J'en reçois quand même souvent à vous montrer. Et là, j'avais commandé un livre et en fait, j'étais supposée ouvrir la boîte devant vous, faire un unboxing. Mais quand je l'ai reçu, j'étais tellement excitée de le montrer à Samuel. Donc, je l'ai déjà ouvert, mais là, c'était la deuxième fois que je le voyais. Et c'est un livre personnalisé que j'ai fait faire. Ça vient d'une compagnie qui s'appelle Flipchap et la vidéo est en partenariat avec eux. Je suis tellement contente parce que le livre est vraiment beau. Et ce que j'ai décidé de faire avec, c'est de mettre mes plus belles photos Instagram depuis le début. Donc, c'est des très beaux souvenirs pour moi. Ils ont été super gentils parce qu'ils vous offrent 50 livres personnalisés. Donc, avec le code que je vais mettre dans la barre d'infos. C'est pas exactement le même livre que moi, parce que moi j'ai un livre à couverture rigide. Ceux qui vous offrent gratuitement, ce sont des livres à couverture souple. La seule chose à payer, c'est la livraison, mais dans mes souvenirs, c'est vraiment pas si cher que ça. Et vous pourrez avoir un livre que vous pourrez personnaliser. Et c'est vraiment quelque chose que je vais chérir toute ma vie, donc je suis super contente du résultat. Ça venait aussi avec plein de petites choses gratuites et c'est la même chose pour vous aussi si vous commandez. Donc il y avait 3 signets, il y avait aussi des photos de type Polaroid. Ça venait avec un calendrier et aussi avec un tout petit livre miniature qui est en fait une version de mon plus grand livre. J'ai décidé de commencer à utiliser le calendrier qui est inclus sur mon ordinateur pour m'aider à m'organiser et je trouve que ça m'aide vraiment beaucoup et ça m'a permis de voir ce qui me restait à faire pour aujourd'hui. Donc une des choses qu'il fallait que je fasse, c'est que j'appelle quelqu'un que j'aime beaucoup pour dire bonne fête parce que je trouve ça important d'appeler nos proches. Et maintenant, c'était l'heure d'aller prendre une marche avec Lily parce que ça la rend tellement heureuse. C'est juste le fun aussi de prendre de l'air avec elle. Et elle adore courir dans la neige, donc on aime vraiment ces moments-là.
En ce moment, je prends pas des trop longues marches avec elle parce que la neige et la glace est vraiment froide sous ses pattes, donc elle peut pas marcher si longtemps que ça l'hiver parce qu'elle veut juste monter dans mes bras. Mais je pense que je vais devoir acheter des petits souliers pour chiens. Ici, je vois vraiment beaucoup de gens qui achètent ça l'hiver pour leurs chiens. Cette journée-là, je remplissais mon journal alimentaire. C'est la dernière journée que je le fais parce que j'ai un autre rendez-vous avec ma nutritionniste pour voir si je fais bien les choses pour être le plus en santé possible. Et il faut qu'elle voie ce que je mange pour me dire si c'est correct ou si j'ai des choses à améliorer. Et je vous avais déjà parlé de cette application-là que j'utilise. La dernière chose que je voulais vous partager, je pense que ça va vraiment vous intéresser. Vous savez que j'ai un style de vie assez minimaliste et quand j'utilise plus quelque chose, soit je le donne, soit je le vends. Et de ces temps-ci, je mets quand même beaucoup de choses à vendre sur Facebook Marketplace. Donc en ce moment, c'est plusieurs vêtements que je portais plus pour une raison ou pour une autre, ou tout simplement parce que j'ai pas besoin d'avoir tant de vêtements que ça. Et ça fonctionne tellement bien, là, c'est un conseil d'amis que je vous donne. Je mets les choses à vendre le matin et le soir, c'est déjà parti. Donc, si jamais vous voulez vous faire un peu plus d'argent, je vous conseille vraiment de mettre les choses que vous utilisez plus sur Facebook Marketplace. Ça fonctionne à merveille et je voulais juste vous montrer rapidement l'interface, là, mais c'est tellement simple à utiliser. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère aussi que ça vous a motivé si vous aussi, il y a des journées où vous avez beaucoup de choses à faire. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo et n'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!